Paix, amour et boulette. Oui. On va retourner étudier du shmup. Et du shmup qui est sorti une année assez particulière, puisque c'était 1981. Qu'est-ce qui s'est passé en 1981? Bah, l'évolution notable qu'on a eue dans tous ces jeux, c'est l'apparition du scrolling. Et du scrolling, on l'a vu apparaître en vertical. Et puis, il arrivait aussi en horizontal, grâce à Scramble. Et Scramble, bah, dans l'année, ça a fait noir des mules. Et du coup, bah, y a un gars qui s'est dit « Oh, je vais repomper le code, mais je vais le faire à ma sauce, parce que j'ai une idée trop géniale. Je vais faire un jeu où on peut tirer dans les quatre directions. Oui, en haut, devant, en bas, et bien entendu, par derrière. » Est-ce que c'était une riche idée de faire un scramble avec un tir multidirectionnel? La réponse tout de suite après la pub pour un produit charcutier. Oui, les gens en régie font des grands mouvements avec les bras et me disent « Mais t'as même pas parlé du jeu, t'as même pas dit son nom, c'est Mars, parce que Mars, tout simplement. » Bon, on y va, là, on a perdu assez de temps, les gars. Ah, serait-ce lui? Serait-il de retour? Qui donc? Mais le fail de débarrage, bien entendu. Je crois bien. Donc, après ce message promotion pour des produits charcutiers, on va faire un bref flash météo improvisé. Le temps que je puisse relancer le jeu et qu'il soit correctement capturé. Toujours pas en régie? J'avais préparé un mouchoir pour pleurer. Regardez-moi cette introduction absolument tonitruante. Oui, le jeu m'a envoyé des messages subliminaux. Et je suis totalement absorbé par ce désir intense d'insérer de la monnaie dans sa fente. Pour, avec mon UFO, aller dégommer bah, ce qui coûte 100 points, ce qui coûte 80 points, ce qui en fait 120, ce qui en fait 150, ce qui en fait 200, et bien entendu, je vais me défouler sur le truc à 800, quoi. Alors, je vous rappelle qu'on va être dans un scramble-like. Est-ce qu'il y a une démo? Parce que j'aimerais bien voir à quelle sauce je vais être mangé, vu que j'ai jamais touché ce jeu. Monsieur, la démo, s'il vous plaît. Non, fais pas clignoter trop vite tes couleurs après. Ça scrolle. Ça tire. Ça scrolle et ça tire. Et ici, c'est à peu près ce que je vais faire, hein, je pense, pendant la partie. Alors, indication technique. Le tir, c'est 4 boutons. 4 boutons avec une logique parfaitement con. Puisque quand je vais vouloir tirer à droite, ce sera pas le bouton de droite. Mais je vous explique pendant la partie. Courage. Vite, teste ton bouton. Quand je tire en bas, c'est à gauche. Ok. En haut, c'est là. Et là, là, c'est là. Ok. Et. Ok. Faut que je retienne. Donc, le tir de droite, c'est pour en haut. Le tir de haut, c'est pour à droite. Ouais, il y a une logique. Hein. Et le tir derrière, c'est là. Ok. On va y arriver. Donc faut que je réfléchisse en permanence moi avec mes boutons mappés, avec le ce que vous voulez. Que j'évite le décor, bien entendu. Que j'essaie de trouver le bon bouton. Ah, je suis attiré par la gravité de la planète, sale planète! Ils ont rajouté une gravité de la planète dès qu'on s'en approche trop. Ou alors c'est mon fuel qui s'est cassé la gueule parce que j'ai pas eu le temps de regarder, parce que je n'ai pas le temps de regarder cette jauge. Et je ne sais pas si elle est de la jungle ou pas, mais... Ça va que mal se passer dans ce jeu, c'est injouable. Il y avait un autre terme, mais il peut y avoir des gens qui regardent et qui sont sensibles aux autres termes. Nya 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 nya. Tiens en bas. Ramasse du fuel. Ce jeu est visserie. Ce jeu est un ramasse-pièce. Ah! Comment je fais pour tirer à droite? Ah, le fuel descend à une vitesse en plus. C'est dramatique. C'est tragique. Vous allez assister à un... Tout le monde me hait sur ce tableau. Tout le monde me déteste. Toute façon. Comment ça? Ça serait la première crise de nerfs de Monsieur K en direct. Pas du tout. Il y a des jeux, des fois.
On essaye de d'être sympa, de leur trouver une excuse des contrôles qui étaient analogiques et qu'on est en numérique et tout. Mais là, le principe des boutons, et je pense que sur la borne, pareil, ils devaient être mappés de manière très bâtarde. Tombe pas en panne! Tombe pas en panne, Cornolio, on a le boss! Cornolio! Lio surtout, hein. Banana split, quoi. Ouf, est-ce que j'ai fait mes 5 minutes, 5 minutes 38? Je suis sauvé par le chrono. Non, il est hors de question que je refasse une partie là-dedans. Je me suis plus fatigué que si je vous avais fait voir une partie de Hyper Olympics. Et pour les gens qui connaissent, à Hyper Olympics, c'est agité. Donc, cher Mars, tout court, la malle au grenier, tu la vois, c'est ta destination prochaine. On veut plus trop te revoir, on préfère mieux jouer à Scramble, qui lui, quand même, avait une jouabilité tout à fait réfléchie et équilibrée. Là, c'est un petit peu... en live, on va dire. Playlist, playlist, bouton abonnement, et je vous retrouve très bientôt, même endroit. Ciao.